Entre lieux communs, préjugés et éducation, la place de la femme dans la société n'a jamais été facile. Dans les familles, la naissance des garçons était célébrée, l'arrivée des filles était source de déception. Les familles très nombreuses étaient les résultats de l'absence de contraception fiable. Après l'école primaire, les garçons allaient en apprentissage ou faisaient des études, les filles faisaient le plus souvent l'école ménagère. L'important était de former des bonnes épouses et maîtresses de la maison. Une fois mariées, le rôle de l'épouse était de soigner son mari pour qu'il reste en bonne santé dans le but de pouvoir apporter un salaire à la maison. C'est ainsi que la ménagère attribuait à son mari le plus gros morceau de viande lors de repas, puis venaient les garçons et ensuite les filles. Il ne restait à la maman que les miettes. Vous pouvez avoir des problèmes partout sur votre corps. Mais dès que votre cœur cesse de battre, vous êtes fini, vous êtes mort. Donc la femme aussi, dans la société, dans son foyer, dans sa famille, dans les communautés, c'est cela. Parce que la femme, elle donne la vie d'abord. Quand on regarde dans les rôles, la distribution des rôles entre femmes et hommes, là je suis dans le concept de genre. Si vous regardez dans le rôle de la reproduction, la femme joue un rôle primordial. Alors, elle continue parce que la reproduction, ce n'est pas seulement mettre au monde. Il y a aussi éduquer, il y a aussi soigner, faire vacciner, nourrir, habiller, tout ce que vous pouvez imaginer qu'une femme fait. Alors, dans la société humaine, la femme joue un rôle irremplaçable. Personne d'autre ne peut la remplacer. Il y a des rôles biologiques, mais il y a des rôles aussi établis par la société. Et elle parvient à faire tout ça. Et elle le fait comme il faut. Après le génocide perpétré contre les Tutsis dans ce pays, on a vu des femmes qui se sont levées, qui se sont battues pour retrouver leur dignité, pour retrouver la dignité de leur famille. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de jouer un rôle pour lequel ils n'avaient jamais été préparées. Celui d'être le chef de famille. C'est très important que de pouvoir jouer un rôle pour lequel on n'a jamais été préparé. Mais elles ont été à la hauteur. Quelques années plus tard, on les voyait en train d'aller dans des universités le soir, après le travail, la nuit. Et elles devaient aussi en même temps s'occuper, vaquer à leurs occupations dans leur maison, à la maison. S'occuper en même temps des enfants, de leur mari, des domestiques, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais elles ont été à la hauteur. Alors moi, je me dis que quelque part, il y a aussi, pour certains, ils diront la nature. Pour ceux qui croient en Dieu, ils diront que c'est la main de Dieu dans la création elle-même. Mais moi, je pense que la femme a une force naturelle ou extraordinaire. Ça, je pense que nous devons tous le reconnaître. Même dans l'ancien temps, il y a des années, il y a plusieurs années, même quand le Rwanda était la dynastie, quand il était gouverné par des rois, la femme avait une grande responsabilité. Même si ce n'était pas officiel, bien public, le roi ne pouvait pas prendre une décision sans que sa maman, sa pauvre maman, donc la belle-mère et la reine-mère, lui disent il faut faire comme ça, ça c'est dangereux, ça convient. Donc la femme, je parle de la femme rwandaise, parce qu'on est chez nous. La femme rwandaise a toujours eu une influence pour le bien-être du pays, l'éducation. D'abord, quand tu es maman, mets au monde un enfant, tu veux que cet enfant-là soit l'honneur du pays, soit courageux. Tout ça, c'est la maman. Je pense qu'en général,
si la femme n'existe pas, moi je me demande ce que le monde deviendrait. Franchement. À commencer par les gens qui gouvernent, les reines, les femmes des présidents, ils ont une responsabilité. Et sans ces femmes-là, je ne crois pas que les hommes parviendront à faire quelque chose jusqu'à présent. Sans parler des autorités, des gouvernants. Parlons maintenant des femmes, des femmes ménagères, des femmes de paysans, des femmes. Même s'ils n'ont pas été à l'école, assumer cette éducation d'un enfant rwandais. Qui doit être un homme de valeur, qui doit être l'honneur de son pays. Tout ça, c'est un homme. Vous savez que d'habitude, maintenant, les femmes travaillent dehors. C'est le matin, mais dans l'ancien temps, la femme restait à la maison. C'est elle qui donnait l'éducation pour que les enfants ne deviennent pas de bandits, de voyous. C'était toujours la femme, évidemment. Le papa avait un devoir, mais il n'était pas tout le temps avec les enfants. Il rentrait le soir, peut-être pour vérifier si les enfants n'ont pas... Je me rappelle, par exemple, quand mon père rentrait le soir, il devait demander comment ça a été à l'école, vous n'avez pas fait de bêtises, de trucs comme ça. Mais toute la journée, en quittant l'école, on était avec ma mère. Donc, ce n'était pas elle seule, le pays, c'était comme ça. I think, first of all, the structure of the life of a woman has significantly changed, especially in Rwanda, because women are very much empowered. Women are very much invited to participate with their fullest potential to what's happening in the country, which wasn't the case many, many years ago. Women are not just keeping their responsibilities at home, but they're also contributing to the economics of the country. And I think that's a very big difference. That what that means is that you see the structure of employment, for example. There's so many women working in areas that they were not working many years ago. Women today are, you know, driving the legislature. We have, you know, 61% of women in parliament. We have 50% of women in cabinet. We have almost 40% women CEOs in banks of Rwanda. It's really different. And so if you look at the structure of what these women are doing, they're contributing to GDP. They're employing, they're mentoring, they're coaching, they're driving revenues, they're contributing to profits of the country. It's different from when women many, many years ago were only looking after and raising their children at home, or when they were you know, mostly family responsibilities. But what hasn't changed is that women are still doing those responsibilities they were doing many years ago. And in addition, they're doing the responsibilities we see at work. And of course, they have to figure out how to do that. A lot of women get help. A lot of women employ other people to support them carry out their responsibilities. But overall, both responsibilities are being done by women today. And many of them are excelling. And I think when you look at what has contributed to the development of this country, it's recognizing the contribution of women, because that contribution is also adding and creating even more value for our economy and country. Les familles très nombreuses étaient les résultats de l'absence de contraception fiable. Pas question d'étudier le latin, le maths et les sciences, l'Église joue aussi un rôle déterminant dans la vie de femme en la culpabilisant si elle n'assumait pas son devoir d'épouse et d'homère. Bien entendu, par question d'avoir des loisirs considérés comme le perte de temps, le tricot, la broderie et le jardinage étaient la seule distraction rentable. Les femmes surprises au café ou en train de fumer étaient qualifiées de femmes de mauvaise vie. N'ayant pas de revenus propres, la femme était entièrement dépendante. Si le mari buvait ou ne rendait pas sa paix, la misère s'installait au foyer. Je pense qu'on apprend tellement en observant. Et j'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de femmes fortes autour de moi. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment été une question. J'ai toujours vu ma grand-mère, ma mère, mes tantes se tenir droite, terriblement droite et respectueuse d'elles-mêmes, ne se laissant jamais faire, qu'elles soient
dans le corps médical, dans quel que soit le métier qu'elles aient choisi de faire. Et je pense qu'elles ont été élevées par un homme, en l'occurrence mon grand-père, qui n'a jamais fait de distinction entre les possibilités d'une femme et d'un homme. Et donc elles m'ont élevée tout naturellement dans le même ordre d'idées, je crois. C'était que personne ne peut s'approprier tes rêves, personne ne peut les détruire. Il n'y a pas de petite personne, il n'y a pas de petites choses à réaliser et que tu peux faire tout ce que tu veux. Simplement, le point commun entre les hommes et les femmes, c'est l'énergie qu'on met dans ses rêves, la confiance, le travail, la détermination. Et s'il y a bien une chose que les femmes sont, je crois, c'est déterminées. Pour moi, le mot détermination est féminin, d'abord. Et puis, on est des coureuses de fond. On est des marathoniennes. Parfois, on pense que la vie, c'est des choses qui s'acquièrent rapidement, qui se font vite, et des résultats rapides, des bénéfices rapides, etc. Je trouve que la femme, c'est une coureuse de fond. Donc, très tôt dans la vie, on apprend que le chemin sera long, qu'il va prendre des directions différentes. On est d'abord enfant, et puis après, on devient fille. Et puis après, on devient jeune fille, on a nos règles, et puis après, on devient femme. Parfois, on devient mère, et puis de femme, on devient un peu moins femme, parce qu'on a des cycles inscrits dans nos corps qui nous rappellent tout le temps qu'il faut se renouveler, qu'il faut se régénérer, et que le chemin est long, mais que les possibilités aussi de devenir soi-même sont multiples, je crois. What keeps me strong while at work and with the responsibilities that I have? I think first of all for me what keeps me really strong is to see where our country has come from. If you look at where we were 26 years ago, where we were 15 years ago, where we were 5 years ago, the achievements of our country are extremely inspiring. And even if you feel tired or you work very hard, the fact that the results are there to show just keeps you strong and you keep getting new energy to keep moving. I think that has been very important for me to see where we are coming from, but also the prospects of where we are going as a country. The second thing that keeps me strong is to see what our leaders have done and also sacrificed. If you look at the life of our president, His Excellency President Paul Kagame, and see the life that he has led, the sacrifices that as a leader he has made over the years, whether it's liberating our country, but also leading our country through very difficult times, but also bringing prosperity, transformation and success. Those leaders that have been driving the country and continue to do that are also a source of strength, because you really see that a lot of them have done so much, and you get inspired to also contribute continuously. I think thirdly, what also keeps me really strong as we do work is to really see just the results that we have as RDB, as a country, and seeing the lives of people change. For example, seeing projects that we bring in the country, you see real estate, you see malls like Kigali Heights, you see hotels, you see power plants, you visit them, you knew them when they were a piece of paper, you visit them, you see people getting jobs, you see Rwandans running around serving in the different projects that are actually operational. These kinds of results and achievements that the country keeps getting is a very strong source of inspiration for me. Merci, hein? Et puis je suis très contente d'apprendre que j'ai inspiré surtout la jeunesse, hein? Parce que vraiment pour moi la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Le courage qui m'a donné le courage, c'est le parcours de ma vie. Le fait d'avoir été un enfant de réfugié pendant si longtemps, d'avoir été refusé tous mes droits les plus fondamentaux et les plus absolus, je pense que c'est ça qui m'a donné le courage. Parce que quand on a finalement eu le pays, et qu'on s'est reconnu, senti, déclaré citoyen à part entière de ce pays, alors là je me suis dit, il y a certaines choses qui doivent changer. Ouais.
Le difficile de présenter un tableau si sommaire et soit-il de la participation des femmes à la vie active et à la vie publique dans tous. Le pays, mais il est peut-être possible de mesurer, du moins l'espérons-nous, la distance parcourue sur la route menant à la reconnaissance et la pratique de l'égalité de droits politiques, civiques, économiques, culturels et sociaux des hommes et des femmes au sens où l'entend la déclaration en tel effort permettra sans doute de voir ce qui peut être inscrit ou crédit des instances nationales, sous-internationales, ce qui n'est pas encore fait. Dans la société moderne, les femmes ont graduellement acquis les droits politiques qu'elles demandaient depuis qu'on parlait du suffrage universel. Et bien que cette demande fût rarement isolée, d'autres, elles, apparues souvent dans le domaine politique, paraissaient être le domaine privilégié et exclusif de l'activité masculin, comme la plus extraordinaire. Selon le comportement des sociétés, elles furent repoussées, différentes, tolérées ou acceptées de manière très différente. Bon, je ne sais pas parce que je ne suis pas élue. Je ne sais pas, mais j'étais très engagée. Je le reste toujours, hein, remarqué, à la cause des droits des femmes. Parce que pour moi, le développement durable ne peut pas être séparé. Donc on ne peut pas prendre des hommes comme un groupe à part et des femmes comme un autre groupe. Nous devons y aller tous ensemble. C'est ça le développement. Parce que moi, quand je parle du genre, de l'équité, de l'égalité, des droits des femmes, en fait, ce que je vais faire entendre par là, c'est le développement durable de ce pays. Parce que si on ne permet pas aux femmes de prendre en main leur propre destin et de jouer pleinement leur rôle, qui est celui de l'artisane de la paix, mais aussi de l'agent de développement, ce pays n'ira nulle part. Comme ma grand-mère, comme ma mère, mes tantes, comme les amis, je pense que c'est important qu'on reste et qu'on soit consciente qu'on peut être une source d'inspiration les unes pour les autres. Les cercles de femmes sont pour moi très importants. Et qu'on essaie souvent dans la société d'opposer l'homme à la femme, mais on oublie aussi de rapprocher les femmes entre elles. Et je trouve que c'est très important de se raconter, de partager des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Les expériences sont toujours pour moi très constructives. Et d'être, voilà, de chercher à être une source d'inspiration les unes pour les autres. Parfois, dans certains milieux, on pense que la compétition entre les femmes est un élément nécessaire. Je ne le pense pas. Parfois, on pense qu'une autre génération de femmes n'est pas... Ce qu'elle peut vous raconter n'est pas pertinent pour votre réalité, votre présent. Je ne le pense pas non plus, parce que je pense qu'on s'inscrit toujours dans les pas, dans les rivières des autres. Et de penser aussi que comme l'eau, qui est quand même ce qui nous constitue l'être humain en majorité, on ne doit pas avoir peur de prendre ce rôle-là, de reconnaître aussi l'importance qu'on a, la richesse qu'on a. Et que parfois les femmes, on a parfois tendance à se dire qu'on est mieux dans l'ombre qu'à la lumière, on a parfois du mal à se dire qu'on est aussi compétente. On a parfois des soucis de légitimité, parfois les femmes. J'entends souvent ça. Mais est-ce que je suis compétente? Est-ce que vraiment je peux le faire? Donc on attend parfois la validation qui vient d'ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler, avoir la confiance en soi et se dire que comme n'importe quel autre être humain, on a autant à apporter à cette humanité en crise à tous les niveaux que n'importe quel autre être humain. Maintenant, je vois que même les femmes font beaucoup de métiers. Les métiers que, dans le temps, les femmes ne faisaient pas. Ils conduisent des bus, des avions, des motos, ils sont mécaniciens, ils construisent des maisons. Tous les métiers que les hommes font, les femmes sont capables de faire. Et tout ça, c'est le développement du pays. Aujourd'hui, les femmes représentent 62% de la législature nationale du Rwanda, bien plus proportionnellement que tout autre pays. Voici comment le conflit le plus notable du pays, le génocide de 1994, a ouvert la voie à l'égalité de sexe. La Journée internationale de la femme, évidemment, l'importance de cette journée. Si elle a été créée, c'est parce que les combats de femmes à travers le monde ont pris beaucoup d'énergie, ont demandé de nombreuses années, des décennies et parfois beaucoup de sacrifices
pour que les femmes aient le droit de voter, que les femmes aient le droit de travailler, que les femmes aient le droit d'aller à l'école, de choisir leur chemin de vie. Et donc pour moi, le 8 mars, c'est ça. Ça célèbre toutes les luttes des femmes et toute la dignité des femmes. Je m'adresse aux femmes de mon pays, aux filles de mon pays, le Rwanda, mais aussi à de l'Afrique tout entière, mais aussi du monde entier. Je voudrais vous dire aujourd'hui, mon message, c'est de vous dire que vous êtes vaillante, vous êtes courageuse, vous êtes admirable. Je suis très fière de vous et je voudrais vous demander d'être aussi fière de vous-même. Aujourd'hui, je vous considère comme des combattantes, je vous considère comme des héroïnes. Alors je vous demande de mener votre combat, un combat pour le développement durable, un combat pour la paix, un combat pour le bien-être de nos différentes sociétés. Vous en êtes capable, je le sais, vous avez montré à quel point vous êtes capable. Alors, tenez votre épée et continuez ce combat. Je sais que vous allez le gagner. Je sais que vous savez, vous ne savez peut-être pas ce que vous valez, mais moi je sais, vous valez plus que vous ne le pensez. Alors, mes chers compatriotes, mes chers Africains, et je m'adresse même au monde entier, levons-nous comme une seule personne et combattons pour changer ce monde. Nous voulons un monde meilleur et nous y arriverons. Je vous souhaite à vous toutes une très bonne fête de la Journée internationale des femmes. Je voudrais rappeler aussi que cette journée, c'est notre plateforme pour montrer de quoi nous sommes capables. Sinon, toutes les journées de l'année nous appartiennent aussi bien qu'elles appartiennent à l'homme. So my advice to young girls, I think, first of all, is if you're looking at contributing to society as a bigger girl or as a woman when you grow, I think the most important thing, first of all, is to prepare now. You have to prepare to become a woman of influence when you grow up. Preparing requires that you focus on your education, that you go to school, you excel in school, you acquire skills, you become good at something. If you want to become a doctor, if you want to become a lawyer, if you want to become a biotechnologist, if you want to become a scientist, you start preparing for that now and you really focus on getting your skills, because your education and your skills is something that you'll have forever. And it will be the thing that will sell you and sell your capabilities in the future on what you can contribute to. So prepare and focus on using the time when you're young in school to prepare very well and to excel in something that you really like. Once you do that, the second thing I would advise you is to really, you know, they say follow your dreams. What do you want to become? And then follow that dream. But it's not enough to follow a dream. You must actually chase a dream and really work hard and do everything that it needs. Follow opportunities, try opportunities, keep pushing until you find that dream that you really are happy about. And number three is that you have to be persistent, because it's always not going to be easy. You're going to do well in some things, you're going to fail in other things. But the good thing about life is that you'll always be given second chances. Everybody who fails, or everybody who doesn't do well, if you give yourself another chance, you can actually excel. And so I would say be persistent. Where things don't go well, keep trying your best to do that. Never give up. And you always have to follow. And you always have to keep yourself fresh. You know, I said go to school, study, but don't study and finish and think that's it. You have to keep studying, keep being fresh, keep being different, because I always tell my friends and my colleagues that if you get a first class degree in the best course, but you don't improve yourself, that degree will expire. And then people will refer to you as somebody who used to do well at some point, but you need to do well today as well. So you have to keep yourself fresh and keep improving yourself and keep competitive. Thank you. C'est la Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes. C'est la raison pour laquelle on prime quelques-unes parmi elles,
pas tous les primés, mais quand même, les unes parmi elles, on doit avoir, elles doivent avoir des prix. C'est la raison pour laquelle on a choisi Madame Marie Ngali de Imokube pour ça. Elle nous a influencés, elle nous a inspirés, surtout la jeunesse, nous tous. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je veux être comme elle. Dès que je grandirai, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. C'est la raison pour laquelle, chère madame, on a préparé ça, qui c'est tout à préparer ça pour vous. C'est écrit, vous êtes plus courageuse que vous le pensez. Vous êtes plus talentueuse que vous le croyez. Vous êtes capable de tout ce que vous imaginez. Je vous renvoie les mêmes souhaits. Et je vous souhaite franchement du fond du cœur de faire toutes vos preuves pour montrer votre courage, parce que vous êtes courageux, courageuse. Je suis très fière de vous. Alors je vous souhaite vraiment toutes les bonnes choses. Profitez de l'environnement que vous avez aujourd'hui et montrez-vous à la hauteur. Je vous ai sur mon cœur. Vraiment, merci beaucoup. C'est pour notre chère Carole Calimera. C'est écrit simple, forte, brave, aimant l'art et l'idéal. Vous êtes une femme de valeur, très chère Carole Calimera. Merci beaucoup. Merci. Vous nous avez inspirés. Merci. Beaucoup. Vous avez fait tout pour inspirer le monde, la jeunesse, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est une fête pour vous qui se soutient à vous rappeler que vous êtes une femme de valeur. Merci beaucoup. Oui. Merci. 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 Je suis sérieuse, c'est terrible. Oh, merci beaucoup. Merci Karel. Oui, merci. Ok, on est maintenant à la fin. Oui. S'il y a quelque chose à ajouter. Oh. Mais ce sont... C'est marrant parce que ce sont des photos d'époque, oui. D'expériences différentes. Donc je pense que voilà. Si on devait prendre, comme on dit aujourd'hui, des snapshots de tous les visages multiples qu'une femme peut avoir, ça doit être à l'image de nos émotions. Donc ça varie. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, évidemment, bonne fête à toutes les femmes. Voilà, soyez belles comme vous l'êtes tous les jours, du matin au coucher. Rigolez, pleurez, ce sont nos larmes qui vont sauver l'humanité. Mais voilà, merci beaucoup. Bonne fête à vous. Thank you very much for this from the team of RBA, and happy International Women's Day to you and also to all the women of Rwanda. And I think the women of Rwanda are very lucky. They're empowered and they live in a country where they can actually live and achieve their dreams, and I'm proud to be part of those women. So happy International Women's Day for everyone.